Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes en gendarmerie nationale en brigade motorisée. Donc là nous sommes du coup sur la zone gendarmerie, donc sur la commune de Artigues, Saint-Mittier-en-Part et la commune de Istres. Donc on va un peu patrouiller sur les trois zones suivant où les interventions nous mènent. Donc là actuellement nous sommes en contrôle radar, donc sur la fin de portion d'autoroute. Là, il y a un collègue qui regarde à la jumelle. On va voir pour vous signaler les plaques qui sont pris en excès de vitesse. Donc ici, on a la Mégane RS et le Ford Everest. Donc, plus nous en moto. Donc là, je serai avec un petit collègue. Donc là, maintenant, c'est possible d'avoir un collègue motard grâce à la mise à jour de Ultimate Backup. Bon, il reste encore quelques petites choses qui seraient améliorées, comme par exemple la vitesse du collègue. C'est pour ça, quand on partira en patrouille ou tout ça, on essaiera de ne pas aller trop vite pour ne pas perdre le collègue. Et du coup, bah voilà, on va pouvoir mettre le radar en marche. Allez, hop. Donc là, je l'ai réglé sur 100 km/h. Donc on va monter sur nos motos. Donc la tenue est de Kenny, disponible sur le site Urgence Mode 117. Allez, on prend. La moto est de Aurel. Allez, parfait, il s'est arrêté. Allez, mettez-vous sur le côté, là, c'est la gendarmerie. Oula, il va pas se mettre complètement sur la route. Allez, hop, suivez-moi. Et le collègue, là, il me suit plus. Pourquoi il vient plus le collègue là. Allez, je me remets derrière elle. Ah mince, elle appartient du coup sur la route. C'est bizarre qu'il vient pas le collègue. Bon, du coup on va rester là. On verra après avec le collègue pourquoi il vient pas. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie nationale. Présentez-moi tous les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Thank you. Ok, donc elle a le permis qui est PR. Ouais, donc permis expiré. Et elle n'a plus le reste. Madame. Savez-vous que votre permis de conduire est expiré? J'ai oublié de le renouveler. Bah oui madame, mais là vous êtes conduite sans permis là du coup. Et par contre du coup, vous conduisez sans carte grise aussi. J'avoue la voiture on me l'a pas donnée. Également sans assurance. C'est devenu trop cher. Mais madame, c'est que vous avez réponse à tout là. Bon. Très bien. Madame, descendez du véhicule, là, s'il vous plaît. Mon collègue, je sais pas où c'est qu'il est. Stand by. Allez, madame, venez. Alors. J'ai demandé quand même une deuxième patrouille pour... pour sécuriser un petit peu les lieux là. Ah non, c'est le PGHM qui arrive. Donc madame, avant toute chose, je vous informe que votre véhicule est immobilisé. Comme vous n'avez plus le permis, vous n'avez pas d'assurance et vous n'avez pas de carte grise. Mon véhicule
va être remarqué. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? You disgust me. Bon, du coup, je vais notifier tout ça sur ma tablette. Alors, est-ce que c'est une amende ou... Donc vitesse déjà, elle était à 117. Donc la vitesse c'est à 90, donc vitesse plus de 20. Ouais. Ensuite... Ensuite, assurance, la carte grise et permis de conduire. Ok, donc là il n'y a plus rien à voir. Allez, parfait, donc là. Non respect de la distance de sécurité, elle avait eu en 2020. Vol à main armée. Oula. Conduite sous l'emprise de stupéfiants. Possession de faux documents en 2017. Ah oui, mais c'est que madame, là vous avez un sacré petit parcours là. Bon. Donc, du coup, elle a reçu une amende de 354. Parfait. Alors, ah, 440 du coup, au final. Traitor. Hey madame, je vous donne votre papier. Voilà. Je vais vous appeler un taxi. Le véhicule. Je demande une dépanneuse. Ah bah d'accord, le taxi qui arrive par là, de mieux en mieux. Allez, je redemande du coup un collègue. Qu'est-ce qui se passe? Non mais oh. C'est qui tire? Bon, c'est pas lui que je voulais en fait. C'est comme moi. Allez, du coup, tout le monde peut partir. Là, je vais demander un SAV. Ambulance, assistance required in. Ils sont tous de la plage. Ouais, je vais me garer ma moto un petit peu mieux. Allez, du coup, on retourne en patrouille. Allez, collègue, monte sur ta moto. On va laisser les pompiers s'occuper de la personne. Allez, du coup, nous, on file. Allez, hop, on s'insère. On va laisser la Mégane RS faire son taf sur le contrôle radar. Allez, oula lui. Eh oh les gars. Pensez à ralentir. Ouais, donc faut que je fasse gaffe aussi à... Allez, on perd du coup pour une poursuite. Palaito Bay.
Copy that, dispatch. Hey, j'ai demandé des renforts là. Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. Je crois que j'aille trop vite parce que c'est un peu dingue. On va le perdre. Ah, pour un peu, il allait me percuter. Dispatch, we have a visual. Dispatch, perfect sight. Allez, monsieur, arrêtez-vous là. Monsieur et madame, je sais pas. Suspect, headed onto the freeway. Allez, allez, arrêtez-vous là. Allez, arrêtez-vous là, c'est la gendarmerie. J'aime bien la technique que les motards font dans la vie réelle, qui se mettent debout sur leur moto, aussi se mettent dos à la moto. Au final, ils ont plus trop le contrôle du véhicule, mais leur technique est vraiment impressionnante. Allez, on va se percuter par l'arrière, ça se gaffe. Allez, je demande des hertz, là. Maintenant qu'on arrive à peu près à le neutraliser, non. Oh là là, il me percute en plus. Ah, les collègues ont oublié d'éteindre le radar, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, ça fera un peu de sous pour l'État, comme on dit. Oh là, les collègues là qui essayent de lui balayer la route. Allez hop, je descends. Allez, tout le monde descend là. C'est la gendarmerie. Allez, les mains en l'air là. Let's go, keep moving. Citizens report in Palaito Bay. Je fais un stop trafic là pour éviter toute voiture folle. Allez, lui, je l'interpelle aussi. Ah, la voiture là, elle s'est bien bloquée par contre. Hein. Allez. Est-ce que quelqu'un peut me fouiller un des deux là? Eh, parfait. Quelqu'un va fouiller le monsieur, là. Et quelqu'un va fouiller la dame. Ok, donc lui, il est armé d'un pistolet, d'un sachet de pilules, et elle, de faux billets et un pistolet. Eh ben alors. Ok, donc lui, c'est... Ouais. Allez, on va notifier leur arrestation. Alors. Donc lui, il avait une arme. Voilà. Et possession de stup. Ensuite, délit. Toc, 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 toc. Donc ils n'ont pas été violents envers nous. Rébellion, fiche de recherche, refus d'obtempérer. Mise en danger de la vie d'autrui, vu comme il roulait. Et je pense qu'on est bon. Hein. Allez, on va faire ça. Bon, qu'est-ce que le monsieur a... Qu'est-ce qu'il avait? Non-respect de stop, assurance expirée... Ouais... Homicide... Oula! Ouhouhou! Là... Allez, donc le monsieur écope de 2 ans de prison et de 20 704 euros d'amende.
Ensuite, on passe à la femme. Donc elle avait une arme et les faux billets. Donc du coup pareil. Mise en danger de la vie d'autrui. C'était des faux billets, je sais plus. Donc on va mettre possession de faux documents. Je sais plus si c'était des faux billets, il me semble que oui. Délit de fuite. Allez, on passe au résultat. Donc elle évoque 6 ans de prison et 118 000 d'amende. Ah ouais, quand même. Ok. Allez, parfait. Donc, les gars, vous m'embarquez tout ça, là. Après, tout le monde peut partir. Je fais un clear trafic. Je vais faire quand même un slowdown pour que ça aille doucement. Nos motos. On va les mettre sur le bord de la route. Allez, parfait. Je demande une dépanneuse plateau là. Là, on s'est bien coincé la voiture. Allez, puis nous, du coup, on va passer, on va continuer notre patrouille. On va peut-être retourner à la brigade. Allez, je fais un petit truc là. Allez hop, je passe par là. On va retourner à la brigade. On attendra le lendemain matin pour continuer notre patrouille. Allez, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil. Là, du coup, on va être reparti en patrouille. J'ai oublié de préciser les call-outs. Qui sont Wilderness Callout et leur roi Callout. Ah, oula. Oula. Là, je me demande si c'est pas un gars qui a volé des mules. Hey, collègue, suis-moi vite. On va partir à la poursuite. Il est parti où? Bon, on a perdu le véhicule là. Bref, tant pis. Allez, hop, on va partir de ce côté. Bon, est-ce qu'il y aurait une petite inter là, pour nous? De bon matin. Oula. Allez, ça se passe là où il y a eu le... là où on a eu l'interpellation la veille. Donc, apparemment un contrôle qui tourne au carnage. L'officier de police ou de gendarmerie fait son panic button, c'est-à-dire qu'il demande du renfort. Bon, moi je fonce, hein. Mon collègue me rejoindra. Il est un peu long à arriver, mais il nous rejoindra. Ne se fait pas de soucis pour ça.
Allez, on est à 600 mètres là. Oula, coup de feu, coup de feu. Posez votre arme là. Ok, donc là on a réussi à faire une interpellation. Il y a un blessé au plein milieu de la route là-bas. Et ouais, mais le collègue, il faudrait qu'il parte à l'hôpital, là, il a été touché par balle. Donc, apparemment il veut pas. Hein. Backup needed in Mount Chiliad. Citizens reporting in Palato Bay. C'est quoi là? Oh. Elle prend la fuite. Bon, le collègue, là, je sais pas ce qu'il fait. Ambulance. Je vais demander un message là pour la victime là qu'il y a là. La femme là, on l'a menottée, puis elle part quand même. Oh là là, c'est quoi ça? Hey, mets-toi sur le côté là. Mince. Get out of here. Allez, sors du véhicule là tout de suite. On va tout de suite l'écarter là. Là qu'elle recherche à partir. Je sais pas comment qu'elle a fait pour réussir à conduire. Là par contre, il nous faut de la sécurité. Assistance needed in Mount Chiliad. Adam 6, copy. We'll check it out. Ok, donc le collègue est arrivé là. Donc là, on va faire un stop trafic carrément. Là, on est au bon milieu de la circulation. Palato Bay. Bon, madame. Venez par là. Alors. Quelqu'un peut me la fouiller là en attendant que je fasse remorquer son véhicule. Mais on va quand même lui faire une arrestation. Alors, elle a jamais été arrêtée apparemment. Donc délit de fuite, bah là on peut dire oui qu'elle a fait un délit de fuite. Elle avait une arme du coup au départ. Mais là ça avait qu'arme aussi. Bah là, violence sur la police. Rébellion. Refus d'obtempérer, et ben elle va prendre cher, je crois. Tentative d'homicide sur officier de police. Et ben là, je crois que t'es bon pour la prison. Ok, donc au départ, elle avait pris non peur du casque en 2018, franchissement d'une ligne continue en 2020. Et là, donc c'est tout ce qu'on vient de lui mettre. Ok, allez, on va aller voir ce qu'elle a pris. Donc elle a pris prison à vie apparemment et 174 815
euros d'amende. Eh ben, prison à vie carrément. Eh ben là, ma cocotte. T'es foutu. Embarquez-moi ça. Traitor. Allez, je vais dire au collègue là qui remonte sur sa moto. Du coup la victime là, je sais pas, le conducteur qui a été avec elle, je sais pas s'ils ont réussi à le réanimer. On n'a eu aucun retour sur lui. Alors du coup nous, c'est une fin d'intervention. On va laisser le dépanneur récupérer le véhicule. On continue par là. Des collègues qui demandent à être transportés, mais je suis désolé, mais... Oula. Leur voiture est tombée là. Ah, désolé, mais nous on est en moto. Ça aurait été avec plaisir d'aider des collègues. Bon, j'espère que vous aimez bien cette vidéo. Pensez à la liker, à la partager, à la commenter si elle vous plaît. Ah, je crois que c'était mon collègue qui me dépassait. Allez, on va tourner sur 5000 les remparts. Je ralentis un petit peu pour attendre mon collègue. Allez, parfait. Allez, on tourne. Ah, il y a déjà un collègue motard en plus devant nous. Bon, on pourra se faire une dernière petite inter pour conclure la vidéo. Salut collègue. On n'a pas vraiment la même tenue. C'est les nouvelles tenues qu'on a reçues, qu'on porte. Allez, tourne. Bon, voilà. Ah, la vache qui est en liberté. J'espère qu'elle va pas créer d'accident quand même. Bon, on va se demander une dernière inter. Ensuite. Oh. Et bah allez. Copy that, dispatch. On est parti. We'll find those animals. Dispatch, we have a visual. Ah ouais, mais non, il est trop loin là. Ah, attends, quoique, il est arrivé sur nous. On va tenter de le barrer. Il va arriver là. Ah mince. Du coup, je suis descendu de ma moto, le collègue a dû descendre aussi, c'est pour ça qu'il est... il reste là-bas. Allez, c'est bon, il nous rejoint. Allez, arrêtez-vous. Mince, c'est pas ça que je... Du coup, j'ai plus d'armes de service, j'ai utilisé toutes mes balles. Donc là, on va utiliser le taser. Allez, descend du véhicule. Oula, il tourne sur l'aéroport. J'espère qu'il
qu'il n'y a pas d'avion qui arrive. Il y a le collègue là, qui est de l'autre côté là, qui arrive. Ah, il aurait dû rester sur la ligne droite, il l'aurait barré. Bon, allez, fini de rigoler. Je demande un virage routier. Parfait, il a été placé au bon endroit là. En plein dans le virage en plus, comme ça il va être surpris. Ah mince, avec son 4x4 il réussit à contourner. Allez, arrête-toi là, mets-toi à genoux. De toute façon, t'es cerné là. Hey. Damn. You're under arrest. Allez, je vous passe les menottes. Vous êtes complètement dingue là, de rouler comme ça là, monsieur. En quelque sorte, du coup, le barrage, ça a un peu fonctionné, ça lui a permis de le faire ralentir. Bon, le collègue là il est un peu à la traîne, là il doit être par là. Alors, monsieur, je vous fais une palpation de sécurité, là vous bougez pas. Ouais. Bah, apparemment il a de la poudre blanche. Je vais lui demander ce que c'est cette poudre blanche. Monsieur, c'est quoi cette poudre blanche que vous avez sur vous? De la cocaïne, je pense, je ne suis pas sûr. Bon. Vous êtes recherché là ou pas? Par la police, je pense que vous êtes recherché dans les navires. Ok, donc ça, on va faire toutes les recherches. Allez, le dispatch. Ah, il y a le collègue là qui arrive. Il a dû laisser sa moto, je sais pas où. Ok, donc il a plus le permis, expiré, mais il est pas recherché. Bon, on va faire notre petit rapport. Alors, routier. Délit de fuite. Possession de stup, du coup, vu qu'il a de la poudre blanche. Bon, il nous a pas menacé, il avait pas d'arme sur lui. Refus d'obtempérer. Mise la vie en danger de la vie d'autrui. Puis voilà. Hop, on est bon. Allez, hop. Du coup, auparavant, non-respect de clignotant, non-respect de la distance de sécurité. Allez, on va voir ça. Ok, donc monsieur a hérite de 3 ans de prison et 712 euros. Bon, ça va. Il y a pire. Mince. Allez, parfait. Du coup, je vais appeler une patrouille pour venir les chercher. Ah non, j'ai oublié de dire qu'une fois qu'il avait plus le permis. Bon, de toute façon, après, on fera un autre rapport au bureau. Allez, hop, une dépanneuse. Bon, collègue, tu l'as mis où ta moto? T'aurais dû venir avec ta moto jusque là. La dépanneuse qui arrive. Les collègues. Bon bah du coup sur ce on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite
n'hésite pas à laisser un commentaire, un like et à partager la vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Yo, what the fuck?